Vous étiez très nombreux à m'appeler, à chatter avec moi le week-end, donc après l'émission directe de ce samedi, où nous avions parlé de la rétrocession, en bref, de la rétrocession des pouvoirs au niveau de la base. Vous étiez très nombreux à réagir sur cette émission, aux émissions de la semaine passée où nous avions parlé des faux récits. Vous étiez très nombreux à suivre nos vidéos et vous étiez très nombreux, je peux affirmer, que finalement certains commencent à être convaincus que ce que nous parlons ici a des sens et qu'ils se sont décidés finalement de s'abonner à notre chaîne. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue donc sur Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo qui est devant vous. Je vous remercie pour cette marque de confiance que vous ne cessez de témoigner en ouvrant nos vidéos, en nous appelant. En tout cas, nous sommes très contents. C'est pour cela que nous continuerons à faire ce travail de la conscientisation des peuples congolais sur l'autosaisine de sa destinée, c'est-à-dire réclamer son indépendance économique, politique et culturelle, où le Congolais va se prendre en charge et sera le maître de sa destinée. C'est ce combat-là que nous menons, c'est ce combat-là que nous vous présentons. Et là, nous sommes très contents parce que vous nous aviez demandé de revenir sur ce qui nous expliquons ici, le projet des 145 territoires. Vous l'avez lu dans le titre, nous avons certaines vidéos, je crois que je vais mettre en prélude cette vidéo du programme des 145 territoires et de la tournée du monsieur Kahacha, conseiller principal, conseiller à la présidence de la République, qui est parti faire des inspections. Vous aviez aussi, je vous ai donné, en fait, à certains qui me suivent sur Twitter, sur Facebook, vous aviez suivi des petits extraits de l'émission de Sango qui parlait aussi de l'autopropriation du projet de développement de notre pays. Merci donc. Avant toute chose, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et aujourd'hui, nous sommes donc le lundi 25 septembre 2023. Donc, allons-y, je vais vous lire les grands titres et puis nous revenons tout de suite après pour développer le sujet qui est très intéressant, le projet des 145 territoires et les conséquences. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC procès Bukangalonzo, la présence physique de Matata Mponyo à la prochaine audience. Élection 2023, Martin Fayulu maintient le suspense. Et puis, on va sur actualité.cd. Martin Fayulu, l'ONU doit prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec la force combattante pour restaurer la paix. Et l'armée confirme la mort de ADF Mehdi Kaloubo, un relais essentiel du groupe État islamique en Afrique centrale. On va sur Congo profond. Élection 2023, la cellule d'antenne de l'UDPS Mongafula porte la vision du candidat Maître Socrates Moubengaï. Batterie Metal Forum, la RDC affiche des ambitions dans le secteur de l'énergie renouvelable. 7 sur 7. Martin Fayulu donne un conseil à Félix Tshisekedi, arrêtez de jouer avec le feu. Et puis, l'état de santé de Salomon Kalonda s'est détérioré, le procès renvoyé au 9 octobre. Et puis, on va sur Radio Okapi pour terminer. Kassai, le retour d'Angola plaide pour la réhabilitation des routes Kapinga-Kandu-Chikapa. Procès Salomon, il dit l'audience à nouveau renvoyée au 9 octobre. Et puis, procès Bukangalonzo, la Cour constitutionnelle rejette le repos médical de 45 jours accordé à Matata Mponyo. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, comme vous savez, notre émission, c'est une émission de réflexion. C'est une magazine, en fait, de réflexion. Nous essayons un peu de réfléchir sur les solutions qu'on peut appliquer
pour que nous puissions voir le développement puisse être implémenté en République démocratique du Congo. Donc ici, nous n'analysons pas les actualités, nous ne faisons pas de commérages, mais nous avons une proposition que nous sommes en train de proposer et que nous sommes en train de développer ici de la façon dont elle peut être appliquée. Cette solution-là, ne vous en faites pas, vous connaissez déjà, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Alors, quand vous suivez nos émissions, si ceux qui n'ont pas encore qui me suivent pour la première fois, vous pouvez déjà aller nous suivre depuis 2019, dont nous parlions de développement de 145 territoires. Au fait, le développement de 145 territoires, nous pensions que cela va nous permettre à ce que nous puissions rétrocéder le pouvoir au niveau de la base pour que la base s'imprègne même de développement de leur territoire, de leur communauté et être à la base, être l'acteur principal du développement qui se prenne au niveau de la base. Donc nous, dans notre compréhension, nous disions que il faudrait mettre un peu beaucoup plus de l'accent sur l'homme congolais. L'homme congolais, son développement, ce n'est pas lui construire une maison, ce n'est pas lui donner une voiture pendant qu'il habite dans une case ou quoi que ce soit. Ce n'est pas. Il faudrait lui réorganiser le pays pour que nous puissions combattre les maux qui font à ce que le développement ne puisse pas prendre place. Quels sont ces mots-là? C'est la corruption, c'est la malgestion, la gabégie financière, le dépassement budgétaire. Tous ces mots-là que nos gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont montré et ont essayé de développer pour amener le développement et que toutes ces histoires-là ont fait à ce que le développement ne puisse pas prendre place. Le développement, en fait, c'est quoi? C'est l'ordre lorsque nous commençons à vivre d'une façon civilisée. Lorsque nous nous sentons dans notre pays que nous pouvons avoir de l'ordre qui est implémenté. Lorsque nous appliquons ce que nous pensons que ça peut nous permettre de construire. Ce qui va nous permettre de taire les maux, de taire les antivaleurs, ce qui va nous permettre à ce que nous puissions atteindre aussi un niveau d'indépendance, à ce que nous puissions être aussi valués dans les concerts des nations. Et tout ça ne peut commencer que par la tête, par comment nous pensons, comment nous organisons notre pays et comment est-ce que nous prenons dans les concerts des nations. C'est ça le développement. Le développement, ce n'est pas vous construire une route, ce n'est pas vous construire un bâtiment et que les gens qui habitent sur cette contrée-là se retrouvent encore des pauvres, une certaine pauvreté qui émane de la façon dont nous sommes en train de gouverner notre pays. C'est ça le sous-développement. On nous parle de sous-développement parce que nous n'arrivons pas à remettre de l'ordre au sein même de nos institutions. Nous ne parvenons même pas à remettre de l'ordre dans nos institutions et dans la manière de gérer notre pays. Voilà un peu ce que je voulais justement pour introduire cette émission d'aujourd'hui, afin pour que vous puissiez être situé, que nous parlons de développement de 145 territoires. Nous disions que nous, au départ, nous pensions que le développement devait revenir d'abord par le peuple congolais au niveau des territoires. C'est le peuple congolais qui devrait s'imprégner de se dire qu'est-ce qui se passe? La sécurité ici, pourquoi ça ne va pas? Est-ce que nous ne pouvons pas nous prendre en charge, comme avait dit le feu Étienne Tshisekedi, dit que nous baissons le chapeau pour lui, parce que c'était ça l'idée. Comment est-ce que nous pouvons terminer la corruption en donnant la gestion aux Congolais au niveau de... en responsabilisant les Congolais de se prendre en charge? C'est ça que nous sommes en train de dire. Quelqu'un m'a dit que non, l'indépendance ne s'obtient pas, l'indépendance ne peut que s'arracher. Voilà maintenant, dans cette optique-là, où est née les guerres et les frustrations dans les provinces, où est né les conflits de communautés, parce qu'il y a une certaine communauté qui émerge, d'autres communautés ne se retrouvent pas, la pauvreté gangrène sur toute l'étendue de la République, ou dans certains partis où ils n'ont jamais vu l'électricité. Ce sont là les mots que nous ne pouvons pas encore avoir au XXIe siècle. Et c'est ça le début de la révolte du peuple congolais, en se disant, nous allons prendre les armes. Il y a certaines personnes qui volent l'argent, il y a certaines personnes qui vendent le pays, qui nous trahissent,
qui travaillent pour l'étranger, ils ne travaillent pas pour les communautés. Voilà ce que, d'où est née cette frustration-là et tous ces mots qui en suivent. Mes chers amis, le projet de 145 territoires tel que conçu par le gouvernement congolais, parce qu'ils ont eu cette idée-là en disant que nous allons relancer le projet de 145 territoires, ils ont planifié à construire des infrastructures de développement. Et ils ont dit, nous allons viser sur les infrastructures du développement. Voilà là où ils ont tapé à côté, c'est-à-dire quoi? Vous allez construire une école. Mais les gens qui vont étudier dans cette école-là, après qu'ils aient terminé, ils feront quoi? Est-ce qu'ils ont étudié? Je vois par exemple M. Kahacha qui a quitté Kinshasa pour aller inspecter le travaux qui se passe dans le bas où elle est là-bas. Il va là-bas, il dit, bon, ya, on a construit ceci, voilà les élèves et tout ça. Le problème, ce n'est pas celui-là. Ces bâtiments-là sont-ils construits comme ça? C'est comme cela que dans d'autres émissions que nous avons dit, quand c'est ça, ce sont des faux fuyards, ce sont des masques qu'on est en train de mettre sous nos yeux pour que nous ne puissions pas voir que les gens qui nous gouvernent ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne pouvons pas construire une université là où on n'en a pas besoin. Et puis, ce sont des projets sporadiques. Donc, on a sorti l'argent, on a commencé à construire des bâtiments par-ci, par-là. Quelque chose que moi, nous apprécions. Parce que nous pensons que ces bâtiments-là resteront. Mais elles resteront si elles sont dans un network où l'État elle-même est en train de gérer ces bâtiments-là. Imagine-toi, vous faites une polyclinique, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins. Regardez comment est-ce que nous avons fait. Nous avions nommé les magistrats, mais les magistrats continuent toujours à naviguer à Kinshasa. Il n'y a personne. Vous allez rencontrer des contrées où il n'y a pas de magistrats. Mes chers amis, le projet de 145 territoires tel que mené par le gouvernement, c'est un faux fuyard, c'est un blanc d'œil. Malgré qu'ils vont dépenser de l'argent, les choses qu'ils sont en train de faire seront peut-être visibles. Mais est-ce que ces choses-là resteront pendant 2 ans? Quel est l'aboutissement de ces choses-là? Donc, moi, je pense que nous avions commencé par la toiture au lieu de commencer par le fondement. Moi, j'ai dit ceci, que tous ces genres de bâtiments, toutes ces routes, tout ce que nous pouvons voir à nos yeux, c'est le résultat d'un travail qui doit être fait à la base. Et la base, c'est quoi? Le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est l'ordre et l'orientation, le fonctionnement de nos institutions. Nous pouvons dire aujourd'hui, pendant ces 5 ans que nous venons de que le président de la République est passé à la tête de l'État, est-ce qu'il peut nous donner un bilan sur les institutions? Comment est-ce qu'il a géré les institutions de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi l'office des routes n'a pas construit les routes? Est-ce qu'il peut nous dire comment le ministère des Affaires étrangères n'a pas pu produire les passeports et quoi que ce soit? C'est ça le bilan que nous pouvons attendre du président de la République. Et donc, nous sommes dit, ce qu'ils ont fait comme projet de 145 territoires, c'était pratiquement à côté. Pourquoi? Parce que les institutions devraient prendre en charge, parce qu'après lui, à Koleka. Mais ce qui va institution, on a ezongi na place, et comme il y a ça, la misala na yango, oh, et salema, qui peut et salema. Misala yango, ko banda ko continuer. L'office des routes va continuer à construire des routes. Mais pendant ces 5 ans, l'office des routes n'a pas construit des routes. Les institutions n'ont pas fonctionné normalement comme elles se devaient. C'est ça le grand problème, Bande Konangaï. Alors nous sommes dit qu'il fallait absolument que nous puissions vous donner des éclaircissements sur le vrai projet de 145 territoires. Comment, quels sont les tenants et les aboutissants de ce projet-là? Pourquoi est-ce que nous sommes dit que le Congolais devrait d'abord aller se mettre ensemble, le Congolais devait se reconnaître les fautes qui ont été commises afin que le développement puisse être freiné. La gabegie financière, comment est-ce que nous allons la terminer pour que les institutions puissent reprendre leur travail? On nous parle que non, nous allons vous amener du travail, nous allons...
Bon, le projet de 145 territoires a-t-il amené du travail dans ces contrées-là où ils sont? C'est un bâtiment. Lorsque le bâtiment a été remis à l'administrateur des territoires, le travail finit. Moussale est sili, basili, si qu'on construit, bilo, quoi, n'est sili. Est-ce que Moussale est qu'on continue? Or, projet 145 territoires, à Abisson, Ntoloba, Kiango, c'était afin que nous puissions nous remettre en cause en disant, voici ce qui ne marche pas, réfléchissons sur comment est-ce que nous pouvons faire les choses autrement. C'est ça justement le travail que nous nous sommes dit que nous devrions faire pendant le projet de 145 territoires. Au fait, le projet de 145 territoires était une sorte d'un programme qui devait conduire le pays à la refondation du pays, à la réflexion et à apporter des solutions aux maux qui sont le mot le plus profond qui continue à être négligé. Et par là, je parle de l'identification, je parle de l'identification, disons, je parle de la structure même de l'État. Je parle ici de la gestion générale de l'État. Je ne parle pas que non, on n'a pas construit les routes au Kassai, on n'a pas fait il n'y a pas eu de barrages, ceci. Tous ces projets-là devront être menés par les gens sur lesquels qui batouo ba vandi na ba côté wana. Balobi awa ka barrage katende yango, vous allez gérer ça vous les Kassaiens. Batuo bazana territoire wana eza musala na bango bakope safsa bakostala comment quels sont les mécanismes qui peuvent mettre ensemble pour que bango bazala ba acteur principal ya kosala eloko wana pona territoire na bango. Bien sûr, tout ça devrait être chapeauté par le gouvernement central. C'est comme cela que je vous ai dit. Ici, à Contact Pro Live, nous vous expliquons le cheminement. Comment est-ce que nous pouvons arriver à rétrocéder tout pouvoir na bango pour pas qu'on a conscience à Koloba que non, ce n'est pas Kinshasa qui doit tout faire pour nous. Nous avons ici, nous avons aussi part, nous avons la grande partie à faire dans le développement de nos contrées. Et c'est pour cela que nous devons d'abord nous entendre. Il faut toyokana, il faut toyebana, il faut toyebana, nanyangwa zo salanini. Soki mutu a salimbeba, ko salambeba pona présidente, mais ko salambeba pona batu oyo bako ptia yena ebongana balobi yonde mutu ko gérer, yonde mutu ko conduire ba projet oyo eza na kati ya territoire na biso mbo sera redevable devant la population. Voilà ce que nous avions pensé à ce que le projet de 145 territoires devrait être. Ça ne devrait pas être construire une école là-bas, un centre de santé là-bas. Développement en haut en Ate Bandeko, nous avions tapé à côté. Et pour corriger cela, bozota la ba makambo tozo kende. Déjà awa na ba élection to ebite soki be ko salema, to ko salema na ndenge nini. Vraiment, nous voyons que tozo kende batu baza ko s'empresser pour nanini pour élection ezala. Je ne dis pas que batu baza na ba idea malamu te oyo baza ko linga ba implémenter à part que Félix peut-être lui n'avait pas cette vision là ya malamu pour na Congo. Mais nous pensons que même dans cette situation, même atato e ko tia président moko oyo azali soki ndenge nini aza soki na charisme ndenge nini na situation o tozali nango na modèle o mboka na biso eza ko zala gérer et ko zala facilité. Ça ne sera pas facile. Nous allons continuer par des contestations. Imagine-toi que Tshisekedi Tolongo lié.
Totier, ce qui président Moussousou, les gens de Tshisekedi vont être contre le monsieur qui sera là-bas parce que Bango wana ba kolingate que Moutouana a réussi. Et nous vivrons tout simplement na tozo toko kende kaka na babulu ye que tozo kende kaka na barando. Oh non, bino bosala ki babe. Regardez par exemple lorsque Tshisekedi prend le pouvoir, tout ce qui ne va pas a été dit que non c'est Kabila qui était la faute. Faut te rebondir car Koluka Mutumo, Félix a sala qui peut l'autre côté, Bisopé te ressale l'autre côté. Oh Kabila sala qui est l'autre côté, Bisopé te ressale l'autre côté. Tozo ouais les labo consomme, toza na idée à kubongi sambo kate. Même si on nous amène, je ne sais pas quel est le meilleur président. Bah tiens un modèle, oh ne, bah tiens na tête un mboka na biso, na modèle oh toza ko dirige ya ko toza ko kenen na mboka, ya Jésus mboka na biso et kozalaka toko zoaka li tombate. Nous n'aurons jamais de bons résultats. C'est comme cela que nous avions proposé à ce que nous puissions refondre le Congo. À moins que Moutou ait encore remplacé Félix, parce que Félix n'a pas cette idée-là. Depuis 2019, nous sommes en train de crier à lui dire « Arrêtons-nous un peu ». Totikana nous kokokokokanisa ke ba élection de Moutou ko arrangé babiloko. Non, arrêtons-nous un peu, mettons un peu de l'ordre dans notre pays. Totika ba conciliabilo wana ke nonga na ko bimayo kokota bato za tour na biso babiloko wana esila, ça n'avance pas notre pays. C'est comme cela que nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires dont nous avions proposé, ce n'était pas d'aller construire ou quoi que ce soit. C'était d'amener le peuple congolais à réfléchir sur l'avenir de son pays afin que nous puissions nous attaquer au problème le plus sérieux. C'est le problème de remettre de l'ordre dans nos institutions ou soit dans la structure même du pays. À remettre le pouvoir au niveau du Congolais en lui disant que vous êtes l'acteur principal. Et c'est comme cela que j'ai dit, si nous y allons dans cette optique-là, dans le chemin, on a Elinga qui est touché Congo Mobimba. Et le chemin était comment lorsque nous proposions, nous disions que nous devions appeler aux états de lieu d'abord de chaque territoire. Natango président, il a eu beaucoup de deux ou trois opportunités. Yakolo Babandeko, Tozo Kendeboy, Kaka na makambo ba corruption, surtout Tango Bababa. Ba makambo ya ko changer majorité na parlement comme qui nous allions pratiquement dans le mur. Nous avions encore crié en disant au président toté les manas nous président pour que nous puissions essayer un peu de réfléchir si nous pouvons faire les choses autrement sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. Comme ça congolais nyonso a ko se sentir à l'obité to koti na étape mususu. Et l'étape dans laquelle nous entrons, c'est que la responsabilisation du Congolais. Le Congolais va reprendre pratiquement la direction et puis ma camboa justice et causa l'ensemble. Il y a moyen de le faire. C'est comme cela que nous sommes dit. Si le président pouvait arrêter et puis appeler les états déliés de chaque territoire pour que dans chaque territoire, les gens qui se seront mis d'accord dans les territoires, nous pouvons avoir des consensus, Yakoloba. En tout cas, si nous, sur ce point ici, nous pensons que et là, on est développé par Nabiso. Ce qui est sali, c'est que nous sommes non, les gens qui sont là-bas, ils réfléchissent à non. Tout le monde qui se concentre à Kinshasa, nous devrions chercher un mécanisme à ce que Batouana Bakende Kosolo, Batoua Sankourou, Bakende Kosolo na Sankourou, Batoua Beni Bakende Kosolo na Beni, Batoua Mbanda Kabakende Kosolo na Isoki na Yakomakuna, pour qu'ils puissent se rendre compte que non, effectivement, nous sommes très en retard. Nous devions les obliger à Koloba que non, nous devons avoir dans le territoire où ils sont à côté à l'équateur, kuna batuba kende, ce qui na forêt équatoriale, kuna batuba kende kosolo là pour qu'ils puissent nous venir avec une solution qui pourrait peut-être être impactée à côté na bango. Quand est-ce qu'ils vont aller là-bas? Vous pensez toujours que non, mutumususu ne mutuakwa ko sale labino, mutumususu ne mutuakwa ko tonge labino, mutumususu te, ce n'est pas comme ça. Et c'est cette conscience-là que nous avions demandé au président de la République, à Kene Nanzela Wana. Nanzela Yakoloba Keno, rétrocédons le pouvoir maintenant au niveau de la balle. Vous allez voir que les gens vont commencer à savoir que non, na Kinshasa Mbongo Ezalakate, il faut tokende kobongisa mboka na biso. Et c'est par là qu'il faut réfléchir dans les textes. Je peux vous rassurer que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, on ne dit jamais Koloba Keno, Batukuna, Bazalaka, Bazoba, ou bien Bazalaka, nous avons étudié avec le peu que nous avons
comme à des intellectuels. Dans chaque... C'est pour cela que d'ailleurs nous faisons les élections. Lorsque nous disons, oh, ben, Rolema, Banini, oh, côté Kuneza, place, Mobulu, Batubako, Makate. Mais pendant ce temps-là, c'est par là que sont nos minéraux. Il n'y a que les politiciens qui se plaignent que non, bango ba ki kokoma na ba territoire na bangote. Voilà les mutema mabe ya kolinga. En fait, ils se retrouvent que dans un panier où on leur oblige, on les fait voir que non, pour diriger là-bas, il faut être à Kinshasa. Vous ne pouvez pas aller construire là-bas si vous n'y êtes pas. C'est comme cela que moi j'ai dit, avec cette histoire-là, à Kopanza, pouvoir à Nakolobate, bah pouvoir Ekozonga, bah tu vas qu'on doit réfléchir na ba territoire sur la nouvelle constitution. Alors comment est-ce que nous nous sommes dit, les états de lieu de chaque territoire devront avoir deux grands points: réécrire une nouvelle constitution et puis deuxièmement l'identification de la population. Et lorsque nous allons écrire la nouvelle constitution, ebosh na biso kozalandengeni tokoyeba quelle sera la place de quoi que ce soit. Nous allons reprendre makamunyoso administration kobanda kozalandengeni, l'administrateur va commencer à faire quoi et tout le monde va dans leur territoire va réfléchir. C'est comme cela que j'ai dit, avec ce nouveau na modèle wana, vous ne pouvez pas tricher. Et que ça la difficile que va tricher. Pourquoi? Parce que le Congolais aura parlé et baza causer la implémentation et le koana. Biso awa tomoni que par exemple pour que banana biso bazala na armée nationale ezala, nous devons contribuer. Comment est-ce que le gouvernement devra être fonds? Quelles sont les responsabilités de chaque gouvernement? En fait, nous devrions réfléchir sur la manière de faire autrement que ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Même si ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a des points positifs. Le peuple devrait se comprendre ça balobité. Par exemple, ministère affaires étrangères, voilà, ça c'est vrai. Nous devrions discuter sur le Kambaba passeport. Comment quelqu'un qui est à Aru devrait tout simplement voyager tina Kinshasa pour avoir un passeport? Parce que le département, il y en a et fonctionne à Kali Soussouté. Comment faire donc remettre ba institution en ça là? Et comment ça devrait se faire? Nous devrions être conscients et lokwana. Na kozala pe conscient na c'est comme cela que si ce que outil est pas na yo okoyeba ke eloko esale maboite biso toloba ki ke awe ko sale maboite. Et lorsque vous êtes de nombreuses personnes ou vous réfléchissez na lokwana, il y aura toujours des mécanismes oyo ko banda ko empêcher mutu ayiba. Nous pourrons être capables d'empêcher les voleurs au niveau même de la base. Et ce que nous enverrons au niveau des provinces, Bakozala toujours contrôlé na niveau. Ils ont un devoir de redevabilité na province, na territoire plutôt. Et ceux qui seront envoyés au niveau des provinces, na Bakozala na niveau national, seront redevables au niveau des provinces. Donc ceux qui batubazo kene na national, baitoyebi ke bakeko sala nini. Et là, nous nous sommes dit, il faut réfléchir sur une manière de faire autrement. Babilo Kumsusu, Toko Sala Yangone Nini, est-ce que Parlement est Kozalandenge Nini? Voilà comment est-ce que nous nous avions dit le projet de 145 territoires devrait être. Donc, à peine à Soukiri Soussou, pour nous expliquer Bino, comment nous devions renouveler la classe politique, je crois que ça sera dans l'émission qui va suivre Contact Pro Life. Ce qui pour Monica, Contact Pro Life, pour Ebaka, que solution, et disons, suite à l'émission Oezali, tout ça pour expliquer la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment Batou Oebaka Zala choisir un niveau à territoire, et puis, tant que texte, on est salé, on est sous Bakotikala, Bazako Sala, on a ni identification, et lorsqu'ils ont terminé, il y aura un groupe de gens qui, na territoire, bakotina na niveau à province. Na niveau à province, bakozala pona ko harmoniser ba texte na banani na babiloko msusu, et puis à partir d'un niveau à province, crème msusu nde tokotinda na niveau national. Wana nyoso toko expliquer ango awa. Donc, yo mutu soko zala nou abonete, profitez-en pour t'abonner pour que orate biloko tokoloba na mbala sima. Parce que awa tan e koki, il faut naza obligé na kata émission sikoyo. Donc merci en tout cas beaucoup pour vraiment votre attention. J'espère que
biloko toza kolobeza kozwa de plus en plus le sens, parce que c'est vous-même, lorsque vous m'appelez, vous enrichissez encore l'idée. C'est comme cela que j'ai dit, partagez ma émission. Oh, ce que vous avez dit, kolingate ou kangango yo mon côté. Partagez en gros, ce que vous avez abonné, abonnez-vous. Et puis, tika moi ma commentaire. Nas téléphone nga ndenge bozomona awa eza ouvert, donc je peux vous prendre n'importe où. Je parle beaucoup avec les gens qui sont au Canada, na batumsu bazana États-Unis, et même des gens qui sont à Butembo m'appellent pour me poser la question, comment est-ce que likambo ekoki kosalema. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, donc on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.